suis au mieux de ce que j'ai jamais été. On va pas se prendre la tête, hein. Top 12, je pense. Top 10, avec grand plaisir. Si on m'avait dit, frérot, tu vas faire Olympia 2 ans de suite, tu vois. En vrai, je me serais jamais dit genre, ouais, normal. Rendez-vous de l'autre côté. Oh, you can find the wind tonight. We're gonna ring it to know. I get feeling low, my mind. Je pense que je chante tellement bien et pareil que le mec qu'on va peut-être se faire niquer avec les droits YouTube. Ce serait incroyable. Je me dirais, waouh, quel talent. Ça serait beau. Oui, mais à mon avis, fortement impossible. Irréalisable. Là, on est le 31 décembre. N'importe quoi. Non, on est mercredi. Le jour des enfants. C'est mercredi. Non, là, on va aller... Je commence à recharger d'ailleurs. On n'a pas filmé, mais d'ailleurs, j'ai mangé mon repas. J'ai mangé 600 grammes de riz dans le repas. Ça va être ça à peu près à tous les repas. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Là, on va aller chez le barbeur vite fait, entretenir tout ça pour être frais. Et on va aller passer à la salle. Mauro va nous rejoindre, voir un peu la condition. Et après, on va se diriger vers le meeting athlète ce soir. C'est l'enregistrement athlète, quoi. Donc, c'est là où ils nous remettent nos vestes, ils nous remboursent des billets d'avion. Donc voilà, pas mal de trucs, on va signer tous les t-shirts, les posters officiels, nanana, etc. Donc voilà, c'est le premier pas ce soir vers le big event. Donc cool, on va rentrer un peu dans le concret, ça va mettre un peu, on va ressentir un peu cette ambiance quoi. Comment tu te sens ? Ouais, je me sens bien là, hein. Je me sens plutôt bien. Physiquement, j'ai jamais été comme ça, donc franchement, ça va plutôt bien quoi. Ça devrait aller quand s'améliorant. Waouh ! Going to be competing in the in open, open? Yeah, open? Yeah, in open, yeah. Good luck. I have so too lot of weight for another category for me. Yeah, right? How much you weigh right now? 123 kilograms. 271. Off-season, I'm in 300 lead. Off-season, yeah. Yeah, yeah. Huh? You follow bodybuilding? I follow bodybuilding. Yeah, okay. For the longest. Okay. I follow it since 2001, maybe. And what is your preferred athlete now? Well, now, let me see. I like Dick Walker. Yeah, in open, yeah. In open. I knew in the other ones because I always follow the open for the most time of my life. I follow Nick the most right now, just because he's so active in the social media. Yeah, yeah. Then I see him the most, you know, showing up. What's your name, bro? Raphael. Thank you. Attends, je vais acheter des t-shirts pour les faire signer aux autres athlètes. Je les ferai gagner sur mon Insta. Sur les gens, ils pourront avoir un t-shirt genre de des athlètes signés au Olympia. Je trouve ça cool. Keep it on it with you. It's women that wanna swap with you. But with everything we've been through, you've been to, you've been one sided, you've been solid. No, I had to see a lot before I got it. You really witnessed a good climb from the trenches. I know they wouldn't put you at a height. I do admit it like guys when you say. Thank you so much. Take care. Thank you, bro. Good luck for the tournament. Thank you. Faire des gros trainings là, sinon je crois qu'il y a un truc qui va lâcher. Wouh.
énergie là. Je pourrais pas, mais elle part. N'empêche, quand j'y pense, je me dis putain, je sais pas pourquoi je pensais à ça. Je me dis putain, c'est pas facile, tu vois. Et j'ai gros, putain. Quand je me rappelle à l'époque, quand je bossais même dans la restauration, je tapais 50-60 heures par semaine. Je m'entraînais sur mes pauses et tout. Si on m'avait dit, frérot, tu vas faire Olympia 2 ans de suite, tu vois, t'es aux États-Unis, on te paye pour ça. Tu gagnes ta vie avec ça. T'as deux vidéomakers qui sont là quand tu t'entraînes, qui te prennent en photo et tout. En vrai, je me serais jamais dit genre ouais, normal. Genre c'est possible quoi. Enfin bref. Ça pour dire que des fois, ça fait du bien aussi de repenser à ça quoi. Je me dis. Je dis pas que c'est une chance, parce que je déteste dire ça dans la vie, que c'est une chance. Parce que je pense qu'il y a des fois effectivement un petit facteur chance. Même le facteur chance se provoque en fait. Il y a le travail, tout ce que je fais c'est parce que je travaille dur. Et après le facteur chance, il... par exemple on pourrait dire même dans le body, facteur chance d'avoir une certaine génétique. Ok, après il faut que ça se provoque, il faut en faire quelque chose. Il y en a des milliers de personnes qui ont des bonnes génétiques. Même être au bon endroit au bon moment, pour moi c'est pas de la chance. C'est aussi du feeling, c'est aussi avoir senti les choses, c'est aussi avoir su s'entourer des bonnes personnes, avoir senti où il fallait aller dans ces moments-là, vers qui se tourner, sentir les opportunités. Plus vous multipliez les opportunités, plus vous en aurez, plus vous, enfin, multipliez les chances d'en avoir. C'est-à-dire ne pas rester chez vous, aller à droite, à gauche, rencontrer du monde. C'est comme ça qu'on peut rencontrer quelqu'un qui va nous dire « Ah, je connais un tel », qui va rencontrer un autre, ou ce jour-là, vous rencontrez quelqu'un d'une marque, peu importe. Et les opportunités, elles se créent comme ça. Donc c'est pas une chance en fait, parce que vous avez fait quelque chose pour en arriver là. Donc ça se provoque. Bref, je sais même plus pourquoi je suis parti dans tout ce délire, mais ce sera mon petit monologue du training. You want this? Oil. Oil. Ah, qu'est-ce que tu veux, hein. C'est pas parce qu'il fait Olympique qu'il est pas jaloux de moi. Hein. Après, je le comprends. Quand je me regarde, je le comprends. Le pire, c'est qu'il y a des gens, ils vont vraiment croire que je me la raconte, tu sais, que je rigole pas, tu vois. Là, je rigole pas. Hein. Je suis éteint, mec. Qu'on s'attache ou qu'on s'empoisonne. On joue un petit peu de riz, quoi, léger, hein. Pour la forme. N'oublions pas les fibres. Oh, le bourrin. C'est à peu près ça, ouais. 600 grammes de riz. Un repas, du coup, normal, quoi. J'ai bien de retrouver des quantités normales. Tu sais, je vais dire quoi ? 600 grammes... 6 fois dans la journée, ouais. Non, je mettrai des petites galettes de riz en plus, après. Et oui. Bah, si on veut assez de calories et recharger en propre, comme une belle prise de masse propre, il faut avoir de l'appétit, hein. Je vais pouvoir faire de l'ASMR avec tes brunes. Bonjour à tous. Merci, merci. Oh, alors, voilà. Premier meeting Olympia. Pas le dernier. En vrai, ça te fait quoi? Pour l'instant, bon, pas trop con, je pense. Ouais. C'est vraiment là de voir, ouais, ça fait déjà bizarre de voir des têtes que tu vois sur Instagram que je pensais jamais voir. De James, Charles Glass. Ouais. Et je pense que tant que t'as pas vu vraiment la salle et tout, je sais pas. Ouais, ouais. Had to listen, man, listen, this thing right here wasn't given. I'm whipping this to precision. Before you talk, homie, listen. They love me for my ambition. Paper chase, palm itching. I brag different. The flow ignorant. Got them hooked, they kept fishing. You popped off but play victim. Look how the plot be twisting. You lost flavor when you kept on mixing. That boy stayed icy with something that left you colorblind. Mind your own, don't come for mine. That other stuff be borderline. I'm on a different time, yo. You better get your watch fixed before the top kick. Comment tu te sens? Franchement, ça va, je me sens bien. Et je disais, ouais, non, je sais pas, je... Je regardais un peu, je dis, ouais, c'est battable, ça, c'est battable. J'essaie de faire mes calculs, genre, voir si je pouvais rentrer en finale, tu vois. Genre, un truc qui sert strictement à rien. Et bien, le moment venu. Mais...
Why not, hein? Ce serait une belle surprise, ce serait cool. Moi, j'y crois. Comment ça va, mon gars? Ah, un peu fraîchement ce matin, on est quoi? On est jeudi. Mais là, du soleil, ça fait du bien. Hier, il n'y avait pas trop de soleil. Après une nuit. Ah, j'ai eu chaud cette nuit pourtant. Parce qu'on allait du coup baisser la clim. Et là, direction l'hôtel de Moreau pour faire un check-up. Ça a décidé un peu de ma journée au niveau de la diète. Et puis, voilà, il va falloir qu'on fasse les poils aussi aujourd'hui. Ah, maman. Ah, c'est le truc que je déteste le plus, quoi. Le plus au monde. Les poils et. Avoir une première couche de tan. Et après le Meet the Olympian ce soir. On va rencontrer les gens, faire les photos, les machins. Faire un peu les restats que nous ne sommes pas, quoi. Mais voilà. Venez avec nous découvrir cette nouvelle journée, les amis. Le monde. Oh. Oh. Ça va? We go très bien, très bien. Sleep less, but I feel better. You feel okay? Yeah. Yeah, luck is ready. Light if you see more detail, but I think that when you are whenever two mil more, you have a more reaction of the muscles, yeah. And then much harder. Muscle is full and hard, especially when you squeeze the chest. Of course, in the finish of the day, I think that we are be full drive. Yeah. Yeah. It's complete different muscle than the last show. Separation on the arms, legs, and I think that you feel good. You don't feel sometimes, okay, sometimes, yeah. But it's a usual, normal. Car accident, call me 407-888-8000. Thank you, Dan. You see it different. That light is completely different. It's deeper. Yeah. No, I think that you're also happy about how you're looking, no? Yeah. Try last breath check, last breath from. Just we are doing like no training today. No. Elegance, hardness, quality, and not weak part. Try just double bicep. Corey Murray, who is the host of the podcast Black Men Sundays, is doing a turkey drive. Remember, for me, the carbs will be the same for today. Yeah. No less. And then also not over. Never see you like that. Usually, how do you feel? How do you feel in the night? Olympia will be very late this year, no? Like 9 o'clock. Yeah. Usually, in your typical life, in the 9 o'clock, you have a powerful fight, yeah. You feel the muscle. Okay. Because the best time is at 11:30, in the middle of the day, and 5 o'clock, prejudge you. This year is at 9 o'clock. Mm-hmm. It's really late. So I ask you during the day, because if you're ready 9 o'clock, you don't change nothing. You're already in every but time just to for fight. You. Not for the me. The info is just for you. No, I ask you because. Yeah. No. Usually, it's the same. Usually 9 o'clock, Patrick, me and you, ready for the bed. Yes. But I ask Theo if I'm ready to fight 9 o'clock. It's a little bit late on the day. No, just give me an hour and it's okay for me. No, I'm joking. I'm not joking. Just I ask you because somebody say, I feel very good in the morning, you know? Yeah. You prefer in the morning, somebody PM, in the night. No, I don't like morning. I think that in the morning is a condition is extreme, but yeah. Not fullness. Like this, it's good now, but you possible to be more 3D in the finish of the day. Sure. But in the night, I think they are all full carbs and water in your muscle, yeah. And there will be the best time usually when you check your condition before bed in the night. You say, wow, I look smoother. And also will be the side. The water the day of the show, like tomorrow. Yeah, we will see. I don't scare you for that. Me too.
No, no, I'm not scared because, example, Andrea, I don't know how is you looking on the stage for the posing. You might a little bit trouble the mind, but I know that you are when you are comfortable on the stage. You're just waiting for to go for that, you know. That's make me more relaxed. You know? Tell me no stress. If I don't stress, I'm not training. Okay, I train a little bit. Usually, coach is still not still in the stress. Have a stress, but don't want to show to your athlete or his athlete. Then I'm confident for this Olympia that Theo will be very good. I tell him the first when I saw him 2 days ago in the restroom. Usually the body after 5 show, because this is Olympia will be 5 show. Theo compete 4 show before. Sometimes body going not the best, but Theo is making big difference in the last show. This is a cross finger that will be good option for him. That's true? That's true. Yes, you know it's true. I love you. Duffel bag filled to the teeth. When I look at what I see, I could truly say that's all me. Pack my things up, make some pit stops. Catch me in the hilltops on the side of the country. Came back from being down 1-3. We the 16 Cavaliers, whole team hungry. Keep the fans. Le gâteau à l'arsenic et un peu de vitriol. No, oui. Double parked in the Taurus. Thank the ones before us to let us keep this was for us. Turn poor us into poor up. Bonsoir la forme. Rain in her for us. Tropical forecast where the water be the purest. Can't get back time. Ouais. Je peux pas trop cailler là-bas. Des fois avec la clim dans les tu fais ta nuit ici. Look at what I see, I could truly say that saw me. Pack my things up, make some pit stops. Catch me in the hilltops on the side of the country. Came back from being down 1-3. We the 16 Cavaliers, whole team hungry. Keep the fans. Voilà. Tu sais, je vois bien la diff du coup. C'est que je suis serré dans le Vans. Ouais, comme d'habitude. Tiens. C'est bon signe. Que je les goûte. Voilà, hop là, ça y est. Pas mal, hein? Pas oublier de le rincer, quoi. Ouh là là, malheureux. Plus que ça, donc, des décennies. Si tu savais, je collaborais avec Oncle Ben pendant des années. Hein. C'était avant la crise du riz. Sale histoire. Ça a été compliqué. Putain, foutue crise. Je suis venu me retrouver chez Toro et Lien. Ah, ça n'a pas été simple au début. Hein. On a chié. Mais bon. On est là, quoi. Maintenant, on a nos souvenirs en tête avec nos bons moments. Essayez de mettre de côté toute cette tragédie. Mais bon, quand je vois ce tigre blanc, là, je suis obligé d'y repenser.
Le sel, t'as un coup de main qui est... Bah oui, wow. C'est... Bah ça, c'est tout dans le poignet, ça. C'est... Bon, ça, c'est... Bon, ça, c'est... C'est bon, quoi? Délicieux. J'espère, quand même. Ça m'a quand même bien... Bien fait chier de te cuisiner, ça. Je mettrais bien les petits raisins secs, même. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ce petit côté sucré de l'ananas, le cumin, sel, poivre, cette petite pointe d'aigre douce, le fait d'avoir déglacé avec du vinaigre de pomme, ça donne ce petit côté aigre un peu, là, comme la bouffe asiatique. Surtout beaucoup d'amour. Enfin... L'amour, mec, c'est le moteur du monde. C'est le principal. La plus grande force. L'amour. Je t'aime. Sans amour, on fait pas grand-chose. Attention, hein, l'amour, c'est large. Hein. C'est pas l'amour avec ta meuf, genre, juste, tu vois, ou ta femme. On est d'accord. Je peux pas rentrer dans le débat philosophique ce soir, mais ça me tient quand même. Certains qui me suivent depuis un moment, vous commencez à me connaître et à vous dire, il peut quand même se taper des monologues assez... Je vais vous laisser tranquille. Bon, tu sens comment 24 heures. À chier, mais bon, ce sera mieux demain. Une bonne nuit, vous savez. Une bonne nuit là-dessus. Non, je suis bien. Je sens que je me suis bien rempli quand même. Sans faire trop de flotte. Attirer la flotte cette nuit. Et non, franchement, nickel. Ton plastique. Je leur casse le cul. Yes. Ouais. Non, en vrai, par rapport aux autres, je sais pas, c'est toujours pareil. Tu te bats pas avec eux, tu vois. C'est... On est comparés, mais on se bat pas les uns contre les autres directement. Il n'y a pas une performance physique, enfin sportive sur le moment donné, genre comme un match ou un combat de boxe. Ou... T'as amené que le meilleur que ce que j'ai amené. Puis après, bah, et à me battre contre les autres pour donner le meilleur que j'ai à donner sur scène. Après, le reste, hein. Il n'y a pas genre, on se dit, oh putain, vas-y, j'en sors, je me dis, ah, vas-y. Faut que j'assure, il y a vraiment un truc à jouer demain, faut que c'est hyper important. Ça sert à rien, ça sert à rien, quoi. Je vais pas être mieux ou moins bien, quoi. On peut pas se dire ça, quoi. Je vais pas courir 3 secondes de plus, plus vite demain, comme si je faisais un 200 mètres, quoi. C'est pas possible. On fait ce qu'il faut, on suit le plan, on se détend, et on leur casse le cul. Et on raconte des conneries aussi. J'ai l'impression, quand même. Après, si je fais dernier, quand même, je vous cache pas que ça me fait un peu chier, quand même. L'outro de la vidéo sera moins cool. J'arrête pas, mec. Ah, t'es... Ça y est, t'es... Il se dit, il y a forcément une merde qui va sortir. C'est sûr, hier soir, on a eu le droit à Jean-Marie Le Pen. Qu'est-ce que ça sort? Parce que les gars, hier soir, waouh. Un petit débat, quand même. Le fameux « Pour combien tu suces un mec ?» Ah, c'est vrai. Genre, on n'ose pas le dire, alors que tous les mecs, tout le monde a déjà dit ça avec tous ses potes, quoi. Pour combien tu suces un mec, quoi? Et après, c'est carrément parti, alors. Pour combien tu suces Jean-Marie Le Pen, quoi? Ce qui est bien, c'est que là, il y a l'aspect physique et moral qui rentre en compte, quoi. Ouais, bon. Franchement, je vous le dis à tous mes followers, si un jour vous avez l'occasion de faire 10 millions comme ça, faites-le. Non, mais faites-le, quoi. Faites-le. Allez-y, quoi. Ah ben non, on vous jugera pas. Moi, je vous serais le premier à vous dire, bah, franchement, mec, si mec, il a été assez teubé pour te verser une somme pareille pour ça, ah... Vaut mieux que ce soit qu'il les prenne, hein, c'est sûr. Moi, ça me ferait chier que mon pote, un jour, il vienne me voir en me disant ça, tu vois. Ah, j'aurais dit, putain, merde, t'en as pas un autre sous la main, Je me serais dit, ah, vas-y, fais chier, genre. Même si au début, tu fais, ah, oh, t'es dégueulasse. Tu dis, mec, là, il va me prendre 10 barres, quand même. Tu fais, waouh, waouh, waouh. Bah, t'es... ouais, pas le choix, en même temps. En même temps, je vais pas le regarder dans les yeux, mec. Ah, je veux juste pas qu'il me décoiffe quand il me touche, avec. Pas qu'il me touche les cheveux. J'ai pas envie qu'il me décoiffe, tu vois. Ça, j'aimerais pas, tu vois. Ah, me décoiffe pas. Aïe, oh, sérieux, là, hein. Oh, on a du boulot. Hein, sérieux, là, t'arrêtes tes conneries. Moi, j'ai pas que ça à foutre. Alors, concentre-toi. Oh, au secours. J'aurais pas pu me dire que j'allais dire ça dans une vidéo, mais bon. C'est fait, hein. Franchement, c'est fait.